qu'on soit rencontrés comme ça par hasard dans la rue. Ouais. Hein? Moi, je crois pas que ce soit un hasard. Mais tu vois, c'est tes cheveux. En tout cas, ça te fait vraiment bien. Ouais. Oh. Si j'étais pas aux hommes, ben, tu serais vraiment mon genre de fille. Ah, les gars, c'est pas la plus belle fille du monde, hein? Oh, oh. Oh, t'es fine, t'es fine. Oh, je suis vraiment contente comme ça, là. Oh. Qu'est-ce que t'avais? Tu filais pas? Il me semble que ça fait comme 1000 ans qu'on t'a pas vu. Non, mais arrêtez. Elle est resplendissante, rayonnante. Une vraie princesse. Une vedette de la télé. C'est ça que je disais? T'es vraiment la plus belle fille du monde. Alors. Juste aller bien dans ce temps-là? Hein? Ouais. C'est vrai? Non, mais sérieux, c'est quoi t'avais? Je vais bien. J'avais juste... Oh, rien. Rien. C'était juste des mal de tête, là, full intense. C'est dangereux, ça, les migraines. S'il n'y a pas de cause connue. T'as-tu des acouphènes? Tu sais, c'est des... Je sais, c'est quoi, des acouphènes? Écoute, je suis désolé de te dire ça comme ça, là, mais... C'est peut-être un cancer du cerveau. Mais pour vrai, là, des migraines, des acouphènes, pas de cause connue, là, t'es mieux d'aller aux urgences parce que... Sinon, c'est la mort. C'est les ondes cellulaires qui donnent le cancer. Faut plus utiliser de téléphone, tu ne veux pas mourir. Oui, ça c'est sûr. Pas utiliser de téléphone, c'est pire que la mort. OK, Marc. Sur YouTube, j'ai vu une affaire tellement dégueu, OK? Il y avait un gars qui avait mal à la tête. Mais dans le fond, il y avait une araignée dans son oreille. Oh! Arc! Pas une petite araignée. Une fucking grosse araignée! Oh my god, c'est... Elle avait fait son nid dans son cerveau, puis elle lui grugeait la cervelle. Oh. Non, non, mais le pire, là, le pire, OK? C'est que c'est les gouvernements. Hein? Qui mettent des ondes dans notre tête qui se transforment en araignée pour mieux nous contrôler. Puis là, je sais que ça fait théorie du complot, là. Mais c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, là, mais c'est pas le gouvernement, c'est les Illuminati. Non, non. Le pire, c'est qu'ils mettent des ondes dans ta tête qui se transforment en araignée. Comme par hasard, hein? C'est les gens avec les plus gros QI qui ont plus souvent mal à la tête. Une coïncidence? Je pense pas. Excuse-moi! Je sais que c'est achalant, mais c'est mes temps, je peux pas me contrôler! Je suis désolée! Je suis désolée vraiment! Arrête! Non, mais je vois! Arrêtez de parler de ça! Non, c'est pas vrai! Parce qu'on essaie d'avoir une conversation sérieuse! Non, mais arrête! Non, mais moi! C'est mes temps! Okay. Non, arrête! Je suis chicanée, ça donne encore plus mal à la tête! Ok, c'est juste des monstres. Capote pas pour rien! Là, stresse pas! Calme-toi! Calme-toi! Non, mais pour vrai, je suis pas au courant des ondes super puissantes, là! Non, mais attends, là, c'est peut-être pas ça, là. C'est juste que des fois, on est un petit peu intense. Tu sais, genre, malade dans la tête. Mais faut pas que tu oublies de quoi, OK? C'est nous, ta gang de malades préférés, hein? Tu sais, guys, la chanson, là, ma gang de malades. Vous connaissez? Ouais, ouais. Ouais. Hey, ma gang de malades! Vous êtes en haut! Ma gang de malades! T'es donc ben bête, toi! T'as plus le droit de voir sa meilleure amie? On peut plus se faire de fun? Ce genre de fun, c'est pas ce que Laure a besoin à ce moment. Tu sais quoi, Suzanne? Toi, t'es comme le parfait petit mouton qui croit tout ce qu'on lui dit à la télé et dans les journaux que c'est vrai, mais j'ai des petites nouvelles pour toi. Tout ce que tu vois, c'est un gros fake. C'est juste qu'est-ce qu'on veut que tu vois, hein?
les vraies affaires, là. T'y verras jamais. Tiens, en fait, ce que tu vois, c'est un trompe-l'œil, OK? Pour que le vrai monde, avec les vrais gens, puisse faire ce qu'ils veulent avec toi. Le monde, c'est juste une illusion. C'est toi l'illusion. Oh, j'ai mal à la tête, là. Oh, j'ai mal à la tête. OK, on rentre, OK? Oh, j'ai mal. Non, on va rentrer. OK, on rentre. Oh, ça va pas. Je me sens vraiment pas bien. OK. Oh. On rentre. J'ai gagné. Hein, on commence pas à chicaner, hein? On commence pas à chicaner. Moi, je connais le meilleur remède contre mal de tête. Go, guys! On se fait un gros câlin de groupe! Oui! Oh. On est la meilleure gang du monde! Oh. La gang de malade! Vous êtes dans où? C'est ma gang de malade! Vous êtes dans où? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, mais il est pas mal cute! Arrête! Non, mais qu'est-ce qu'il a, lui? T'as jamais vu du monde se faire un câlin? C'est quoi, là, t'as pas d'amis? Qu'est-ce que tu veux? Voulez-vous que j'aille parler? Parce que si j'y vais, c'est sûr qu'il va pas rester là. Attends, là. Qu'est-ce que t'appelles par lui parler? Ben, y parler... Comme dans, je vais y péter la gueule à cet astite pervers! Oh. Je vais y faire mal! Tellement mal qu'il n'aura plus jamais envie d'intimider une fille! Oh, comprends-tu? C'est quoi que tu regardes? C'est parce qu'on sait même pas pourquoi qu'il regarde l'or de même. Hein? Peut-être qu'il est juste comme un méga coup de foudre sur elle. Dis-y qu'on n'a pas peur de lui. On a peur de personne, nous! Dis-lui, t'es pas beau, hein? Tu t'es-tu regardé? Oh! Il nous fait sa petite face de monsieur pas content! Hey! C'est... Hey, Nathan! Pourquoi t'avances aussi lentement? T'as peur? Je suis sûre que si t'avances à lui, il va partir à course, ce gros pervers! Gros porc! Intimidateur! Harceleur! Pédophile! Tueur en série! Faut pas que tu gardes le stress que tu ressens pour toi. Si tu ressens de la colère, faut que tu l'exprimes. Sinon, tu vas attraper le cancer. Je suis sérieuse, t'as le cancer. Et c'est une maladie dans ta tête qui va s'en aller dans ton corps. Il faut que tu t'extériorises. Insulte-le, ce gros con. C'est ta meilleure thérapie contre le mal de tête. C'est prouvé. Insulter les cons. C'est meilleur que de l'aspirine. Je pense pas que c'est une bonne idée, ça. En tout cas, si toi tu veux pas y aller, moi j'y vais. Hein? Je veux pas voir ça, ça me stresse. Dis-les donc, ta chienne! On s'est caché pour voir comment tu réagirais si t'étais tout seul. T'étais où, hein? Je croyais que t'avais... Je sais pas, moi, fait disparaître.
Anyway, on était juste à côté. S'il avait commencé à te faire de quoi, on lui a répété sa face. Pour vrai, là, tu sais pas de quoi je suis capable quand je suis fru. J'ai une super idée. Suivez-moi! On est chez nous, là? C'est ça ton plan génial? Hey, si jamais il nous a suivis, maintenant il va savoir où est-ce que j'habite! Hey, relax! Il n'y a personne qui nous a suivis! On est correct! Ah, come on! On est arrivé chez vous, on est safe! Come on, gang! On a quand même échappé à un tueur sanguinaire en Syrie! Come on! C'est quoi qu'on fait dans ce temps-là? C'est quoi la tradition? Come on, come on, come on! Ouais! Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur, là. Fermez vos gueules! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que t'es vraiment très bon quand t'es sérieux. Ça suffit. C'était vraiment la petite gueule. C'est un complot. Ce gars-là, il est pas seul. Sinon, comment qu'il nous aurait retrouvés? Tout seul? Comment qu'il nous aurait retrouvés? Hein? Il est pas seul. Ils sont plusieurs. Ils savent en permanence où on est. Qu'est-ce qu'on fait? Tais-toi! Tais-toi! J'aurais pu en réfléchir! Tu vas pas le voir, toi, pour y dire de sacrer son camp. C'était toi qui voulais qu'on aille chez Laure. Ouais. Le gars, on sait pas c'est qui. C'était pas là. Dis-moi, j'ai pas de problème. Ben, c'est trop tard, parce qu'il y a des problèmes, ben, on en a. On a même des très, très gros problèmes. Laure! Juste niaiser un peu.
pense nous faire peur, mais dans le fond, il nous fera rien du tout. On peut rien contre. On est une armée. Tu vas pas nous faire ton cours 101 sur comment parler politiquement correct. Non mais pour vrai, parce qu'en ce moment, il y a un malade mental, crackpot, fou, ce que tu veux, ok? Qui est échappé d'une institution psychiatrique, ok? Qui veut nous, comment tu dis, tuer en politiquement correct? Qui veut nous ôter les signes vitaux dedans notre corps. Excuse-nous, là, on t'a jamais dit que ça se faisait pas des affaires de même? On poursuit pas les gens dans la rue avec une face de psychopathe. Elle t'a jamais appris ça, ta mère, hein? Ok, wow, là! Sois pas méchante, hein, quand même! Hein? C'est vrai que tu nous as fait un peu peur, là. Avec ton physique assez impressionnant, je peux dire. Ouais. C'est pas méchant quand je dis ça, hein? Ben, désolé, je voulais pas vous faire peur, hein. Puis vous, pourquoi vous m'avez insulté? Je vous ai rien fait. Tu nous regardais vraiment bizarrement. T'avais l'air d'un fou, là. Excuse-moi de te dire ça, mais... T'avais vraiment l'air d'un zombie. C'est le genre d'affaire qui est vraiment cool à télé, mais dans la vraie vie, là... C'est vraiment pas cool. Il y a une explication logique à tout ça, hein? Est-ce que tu leur dis, Matt, ou c'est moi qui fais? Bah, c'est plus juste un moment. C'est parce qu'on comprend rien. J'ai eu le coup de foudre pour moi. C'est la mission! Toutes les gars, trippent sur toi! Oh!
fois que j'ai vu cette fille, je savais qu'elle était spéciale. Vous avez peur pour moi, vous pouvez m'attendre, mais ça risque d'être long. Bah, pas d'argent, ça risque d'être long. Pas d'argent. Je connais pas du tout ce gars-là. Pas d'argent. Perdez votre temps. Pas d'argent. Mais tu crois pas que ça peut être dangereux? Thank you.
l'a retrouvé. C'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qui est passé? Comment il est sorti? Il est où? T'étais où? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment t'es rentré? Pas le temps qu'on parle, il faut que j'aille à la police porter plainte. Faut que tu prennes pour ton. Toi, pour la police. Montrer ce qu'il t'a fait. Prends-moi en photo. Non, c'est mieux que donc tu prennes en photo. Avec toute la gang en arrière. C'est tous tes témoins. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? J'étais sûre que j'étais avec ma gang d'amis. Mais qu'est-ce qui vous a décidé à venir consulter? Je veux dire, pour vous, ça a été quoi le déclic? C'est grâce à Suzanne. Et qui est Suzanne? Suzanne? C'est ma meilleure amie. Bête, une bouteille de gaz dans une cheminée. Et je vais finir par te sauter au visage si tu t'approches trop, comme ça a fait avec les autres. Mais tu sais pas de quoi tu parles. J'ai essayé, ça sert à rien, on change pas, on change jamais. Et quand bien même de toute façon ici y a pas de deuxième chance, on n'efface pas les ardoises. Me dis pas que t'es pas au courant, t'as pas vu? C'est imprimé partout, dans les journaux, sur les écrans, dans le regard des gens. C'est même écrit en grand sur les immeubles, la nuit, quand les gens bien comme toi sont endormis. C'est marqué en rouge, tu nais comme ça, tu vis comme ça, tu cannes comme ça. C'est la poêle face à ton flair, avec ton dégoût de toi-même, ta culpabilité.